trophée moisson tue un ennemi à la fois en portant l'ensemble complet d'armure de moissonneur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débloquer l'ensemble du set d'armure du moissonneur et également où trouver une faute, sachant qu'il y en a pas mal dans le jeu. Alors pour cela, il faut faire des missions de rébellion. Alors dès le début du jeu, vous avez une quête qui s'appelle Vive la rébellion et l'objectif, ça va être d'atteindre le niveau maximum pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des objets nécessaires pour notre trophée. Pierre, peux-tu m'expliquer ? Nous avons un intérêt commun. Toi, en résistant aux francs loyalistes qui méprisent ceux du Nord, moi, en étant payé. Je ne vois pas bien le rapport. Je suis en lien avec des hommes et des femmes de Francie, lassés de la férule amère et tutelle chaotique de Charles. Ils sont peu nombreux, vois-tu, car ceux qui sont prêts à résister aux forces loyalistes bien armées se font rares. Tu n'as pas foi en leur cause ? Moi non, mais eux si. C'est là que tu interviens. Si tu les aides, tes efforts seront largement récompensés. Je trouve étrange que tu les soutiennes, alors que tu ne crois pas en leur succès. Quel monstre serais-je donc à vouloir étouffer le doux espoir qu'ils caressent en eux ? Quoi qu'il en soit, il y a de l'argent à gagner, et cela mérite attention. Alors, qu'as-tu décidé ? Je vais choisir une mission de rebelle. Je veux regagner l'Angleterre. Qu'est-ce que tu as, dis-moi ? D'accord. Mission rébellion. Une seule mission de rébellion peut être active à la fois au fil des déplacements. Evor, en Francie, d'autres rebelles chercheront de l'aide pour savoir où se trouvent d'autres agents de la rébellion. Ouvrir la carte. Ok. Les rebelles alliés accompagnent Evor lors des missions de rébellion. Il peut s'agir au choix d'une escouade experte au corps à corps en combat à distance. Ces rebelles attendent Evor sur le lieu de la mission. Une fois les objectifs d'une mission atteints, Evor doit retourner voir Pierre ou un de ses agents. Ah, en fait, c'est un petit peu le système de missions qu'on avait. Ça va nous donner des récompenses. Si on se le disponible, d'accord. À distance, au corps à corps. À distance, débuter la mission. Voilà pour commencer. Et on a un niveau d'infamie. Lieu de rébellion où on trouve des rebelles en de nombreux lieux de la Francie pour voir d'autres lieux. Ouvrir la carte. D'accord. Bon, voilà. Alors si le premier niveau on arrive à le gagner en faisant une mission, attention, le niveau 3 et le niveau 4 vont demander énormément de missions, donc ça prend un petit peu de temps. Alors là on se retrouve juste avant de passer au niveau 4, au moment de valider le dernier objectif. Voilà, niveau d'infamie, 4. Plus qu'à retourner voir notre vendeur. Alors au fur et à mesure en fait qu'on augmente notre niveau d'infamie, on peut voir qu'on a les objets que l'on cherche. Alors au début il n'y en a qu'un, au niveau 3 on en a 3. Et on va pouvoir avoir l'ensemble du set à partir du moment où on passe niveau 4. C'est Eivor, viens nous rejoindre. Toi aussi, Pierre. L'heure est à la joie. M'étonne. Bien joué, Eivor. Je ne m'attendais pas à moins. Qu'est-ce à dire ? Une fête ? Si l'on veut. Un repos après un dur labeur. Viens, bois donc avec nous. Que puis-je pour toi ? Donc là, au niveau des améliorations... On a bien sûr des nouvelles améliorations qui nous sont disponibles. Et dans la section achat, équipement, on a un casque. Tunique. Bottes. Et la cape. C'est tout pour l'instant ? Alors, qu'as-tu décidé ?
Je repasse. Eh bien, si tu... On va pouvoir s'équiper de tous ces ornements. Sonneur. C'est ici. Alors concernant le brassard, en fait il nous est donné à partir du moment où on passe niveau infamie 3, quand on vient chercher notre récompense dans cette dernière mission, il nous le donne. Donc c'est pour ça, à partir du moment où on va à l'infamie 4, on peut tout avoir. Ça, ça nous est donné et le reste, on l'a vu, il faut l'acheter. Ensuite, on va s'intéresser à l'arme dont on a besoin. Alors les fours qui nous sont demandés... À partir du moment où vous faites toutes les richesses du jeu, forcément vous allez en avoir. On va en prendre une. J'en ai chopé 4. Par exemple, la faute d'affliction. Voilà. Ce que je vais faire, je sais plus si c'est possible. Voilà, on va enlever le reste. Ça, on n'aura que notre. Notre faux. Alors on va regarder où est-ce que je l'ai eu et comment je l'ai eu. Montre-moi cette terre, mon ami. Bon, visiblement, c'est beaucoup plus bas. Il se trouve qu'il y a un passage ici. Ça descend, je pense qu'on va le trouver par là. En tout cas, c'est le. Chemin caché le plus proche qui descend, donc quand même de bons espoirs. C'est vraiment le truc le plus chiant qu'ils ont eu l'idée de mettre dans le jeu. Voilà. L'affliction. Il ne reste plus qu'à faire un assassinat avec ce set et cette arme. Allez. On va faire un massacre. Hein. Alors l'un des fous c'est son inertie par contre. Quand on touche, on fait très mal. Puis alors les boucliers ils volent. Attaquez l'ennemi. Qu'est-ce que ça donne contre ça? On se bat ensemble. Ah ouais. Tu vas saigner. Et ben voilà. Et voilà, moisson débloqué. Tue un ennemi à la fois en portant l'ensemble complet d'armure de moissonneur.